Jean-Marc, j'adore. Ah, allez, voilà. Jean-Marc. Ah ouais. Salut les blaireaux. On a eu un bon message de cul là ce soir. Allez, on arrive juste après. C'est tu cool. sais, il y a des enfants qui te regardent et des fois tu dis des gros mots mais inadmissibles. Oui, c'est vrai. Bon, tu crois que les enfants ils sont pires. Hein. Ouais. La prochaine fois, j'aimerais bien que tu viennes tout seul plutôt que de venir avec le oui, grand. Oui, je suis obligée de me casser le casse-roussio là à chaque fois là. J'ai trouvé dans Confession Intime, je suis obligée de rester avec lui. Il y a Gilles Montagnier qui se marre là. Non mais c'est ce qui est marrant, c'est que quand on prépare le spectacle du soir, là, comme ça, c'est jamais ce qui va se passer après. C'est tout improvisé ce qu'il est en train de dire, là. Oui, c'est ça. T'es content, de, tout va bien, là? Ah, je suis content. Tu voulais me dire quoi, ce soir? Bah, c'est à moi de parler. Oui, c'est rien qui parle un petit peu. Non, mais je suis très content voilà, d'être devant Cyril ce soir. Merci. Il va faire le faux cul, hein, ces gars. Oh, il est très content. Ouh là là, qu'est-ce qu'on l'aime, le Cyril, le Hanouna. Ouh, du dos. Comment tu l'appelles? Le Hanouna. Le Hanouna. On dirait une fête. Joyeux Hanouna à tous. C'est la teuf. Ouais, c'est génial. Je t'ai souhaité ton joyeux Hanouna. Tu l'as regardé l'émission Touche oui, pas à mon poste. Du coup, il décortique les émissions, il y a une table, il regarde la téloche, il saute autant. Il regarde la téloche, il saute autant, c'est intéressant. Hein. Du coup, on a décortiqué l'émission qui décortique les émissions en fonction des émissions. Ouais, j'ai rien compris, mais vas-y. En normal. Toi, t'as compris. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans cette émission? Toi, t'es con, c'est normal. Alors, attention. Dans l'émission, il y a une blondasse que Jeanne est contente, voilà. Elle est là, elle est contente, c'est de la nerf, voilà. Wesh Nagel représente. Ouais, oh, représente, c'est de la nerf, voilà. Ouais, non, elle a fait beaucoup de progrès, je trouve. Oui, elle fait des progrès. Ouais, ouais, ouais. Beaucoup. Elle dit, c'est du caca maintenant. Ouais, ouais. C'est un gros progrès. Bon, qu'est-ce bon après, il y a des vieux. Il y en a des vieux, hein. Il y en a deux. Il y a un vieux producteur. Il n'est pas si vieux que ça. Si, il a connu Dev hétéro. Imagine le truc. Imagine le truc. Il est content. Voilà, et puis. Et puis il y a un vieux qui parle que de cul. Mais là, on est à jaloux. On est à jaloux parce que nous aussi, on en a un, Tatoche. Quoi? Nous aussi, on a un vieux qui parle que de cul. Non, c'est bon, ça s'attrape. Tu vas t'arrêter avec ça. Alors, tu vas pas d'abord, tu vas pas parler que de Touche pas mon poste, tu vas parler de des invités qui sont là. Oui, oui, je suis content. Tu as vu depuis le départ, c'est un beau bordel. Oui, c'est un beau bordel. Mais Cyril, c'est Chantal normal. Lobby, qui oui, Chantal, tu as retrouvé ton stylo, Chantal. Oui, cool. Voilà, qui c'est Didier Barbolivien, tu es content de le voir? Oui, normal, on a un mec de droite tous les mois, donc. On a Henri Conassias qui vient le mois prochain. Zaï, zaï, zaï. Zaï, zaï, zaï. Je t'avais dit qu'on faisait pas de politique. Pas de politique. Pas de politique, pas de politique. D'accord, pas de politique. Attends, tu arrêtes de me couper, je te dis qu'on faisait pas de politique. Oui, pas de politique, j'ai bien compris. Je peux en placer une, ouais, c'est oui, bon, oui. Ça va. Oui, j'ai compris. Pas, c'est moi qui oui, parle. Oui, j'ai compris, pas c'est de politique. Non, mais je fais ce que je veux, c'est mon sketch en même temps. Je m'en fous, mais c'est moi qui parle. Ne casse le cul à écrire un sketch, vous avez fait c'est toi qui me laisses parler maintenant. Tu me laisses parler. Il laisse pas parler, le vieux. À un moment donné, faut me laisser parler. C'est ce que moi aussi, je te vous dire, là, vous faire enfiler. Je te le dis aussi, moi, ok? Et ben voilà. Si j'étais journaliste. T'es journaliste, bon, toi? C'est fini. Oui. Tu vas me présenter le numéro. L'avantage, c'est que toi, tu t'entends dire d'aller me faire enfiler, j'y suis déjà. Alors. Oui, hein. Il y a des gosses qui regardent, putain. Oh, il y a une boule à facettes là-bas. Non, si, il y a une boule à facettes. Où t'as on en a une tous les mois de boule à facettes, ouais. C'est quoi les boules à facettes? On met de la lumière dessus. Sur la borde, là. Oui, ah, madame la borde? Oui, on dirait une boule à facettes. C'est la dame du CSA, je te signale. Ah, donc ça veut dire que j'ai le droit de dire que je joue au théâtre à la Comédie des Beaux-Arts du jeudi au dimanche. C'est ça, j'ai le droit de dire. Normalement, il n'a pas le droit de le dire. Ah, d'accord. Madame du CSA, il a le droit de le dire qu'il est au théâtre? Et il a le droit de dire ce qu'il veut. Il vient de me niquer ma vanne. Merci beaucoup. Oh, l'autre, il va faire la météo. Ça sera plus facile. Il est fun. Bon, allez, on va le numéro qu'on a redemandé de la dernière fois. C'est quoi? C'est Peter Marvet. Voilà. Non, c'est, non, c'est pas Peter Marvet. Tu connais ton émission, t'as pris ou pas? Arrêtez le champagne, les mecs, hein. C'est la troupe Zola, parce qu'on a beaucoup changé. La troupe Zola, voilà, bien sûr. De qui vient de Mongolie, voilà. D'accord, de c'est Mongolie. Des mecs, okay, c'est des oui, mecs qui c'est s'en vont. Oui, les infirmiers vont venir te chercher, oui. Casse-toi. Les infirmiers. Casse-toi. Ils vont venir te chercher. Casse-toi. T'inquiète pas. Casse-toi. Oui, ils vont venir te chercher. Casse-toi. N'ayez pas peur. Casse-toi. Ils arrivent, ils vont venir. Oui. Au revoir. Quoi? Barrez-vous. Il est excellent.